Bonjour. La navette spatiale, également connue sous le nom de « Space Shuttle » en anglais, était une série de véhicules spatiaux réutilisables développés par la NASA, l'agence spatiale américaine. Booster ignition and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Les navettes spatiales ont été conçues pour transporter des astronautes et du matériel vers l'orbite terrestre basse, LEO, effectuer diverses missions spatiales, puis revenir sur Terre pour être réutilisées. Voici quelques points clés à connaître sur les navettes spatiales. 1. Conception et composants. Chaque navette spatiale se composait de plusieurs éléments, l'orbiteur, qui était la partie principale où les astronautes travaillaient et vivaient, les propulseurs à combustible solide, SRB, qui fournissaient la poussée au décollage, et le réservoir externe qui contenait le carburant pour les moteurs principaux. Contrairement aux fusées jetables traditionnelles, les navettes pouvaient revenir sur Terre après leur mission, être inspectées, entretenues et préparées pour un autre vol. 3. Missions. Les missions des navettes spatiales comprenaient le déploiement de satellites, la réalisation d'expériences scientifiques en orbite, la construction et la maintenance de la Station Spatiale Internationale, ISS, le déploiement et la réparation du télescope spatial Hubble, ainsi que des missions de récupération de satellites et d'expériences. 4. Opérations. Les navettes spatiales ont effectué leur premier vol en 1981 avec le lancement de la navette Columbia. Au total, 5 navettes ont été construites, Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour. Malheureusement, le programme a été marqué par 2 tragédies, l'explosion de Challenger en 1986 et la désintégration de Columbia lors de son retour en 2003. 5. Retrait du service, après l'accident de Columbia en 2003, les navettes ont été mises en attente pour des améliorations de sécurité et des inspections. En 2011, le dernier vol de la navette Atlantis a marqué la fin du programme des navettes spatiales. Bien que le programme des navettes spatiales ait apporté des contributions significatives à la science et à l'exploration spatiale, il a également été confronté à des coûts élevés et à des problèmes de sécurité. Malgré cela, il a ouvert la voie à de nouvelles technologies et à une meilleure compréhension des opérations spatiales réutilisables. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.